Bonjour, merci donc d'être venu à cette rencontre, à ce café littéraire qui va inviter un vieux couple, le vieux couple de la littérature et du cinéma. Donc, comme tous les vieux couples, on sait que les relations entre les deux peuvent être parfois tendues ou peuvent être parfois idylliques. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous avons donc de gauche à droite Arnaud Sagnard, Thierry Froger et Blic Bassi. Donc, quelques mots rapidement sur les textes des uns et des autres. Donc, Arnaud Sagnard, votre livre, donc Bronson, vous intéressez donc à Charles Bronson et vous explorez donc la vie, ou plus exactement le mystère de ce personnage, le mystère de cet acteur à la minéralité extraordinaire. Donc vous retracez sa vie, on croise Alain Delon, Sergio Leone, mais votre livre va bien au-delà. Votre livre essaye d'approcher l'acteur sous les espèces du mythe, et en particulier sous un mythe qui pourrait être celui d'une lutte entre le bien et le mal, et peut-être une façon de dévoiler ce qu'est le revers noir, le revers sombre, peut-être nihiliste même d'Hollywood. Voilà, donc en quelques mots rapidement. Et c'est également, peut-être juste pour clore, un livre dans lequel le narrateur, donc vous-même, essaie aussi de revenir à la source de ses propres obsessions à travers Charles Bronson. Je confirme. Merci. Thierry Froger, alors donc vous, votre livre s'intitule « Sauf qui peut, la révolution », et les cinéphiles parmi vous auront évidemment tout de suite repéré le clin d'œil au « Sauf qui peut, la vie » de Godard. Et ça tombe bien puisque Godard est le personnage central, ou un des personnages centraux de ce livre. Donc en quelques mots rapidement, on est en 89, c'est la commémoration de la Révolution française, et on fait une commande à Jean-Luc Godard. Alors on pourrait dire, et c'est presque un axiome, Jean-Luc Godard ne fait jamais ce qu'on attend de lui. Donc il va, à partir de cette commande, échafauder un, ou plus exactement plusieurs scénarios, plusieurs versions de scénarios, qui vont elles-mêmes s'entrelacer autour de ses rapports avec un de ses vieux amis des années 60, un historien, qui essaie lui-même d'écrire un livre sur Danton. On retrouve donc le dit Danton sur une île, l'île de la Chalonne. Donc tout cela se mêle, s'entrelace, produisant peut-être, on en parlera peut-être, des effets de montage. Et le livre est surtout une magnifique façon d'interroger la façon dont, à partir du cinéma, la façon dont la littérature fait image, la façon dont la littérature se mue en image dans le cinéma, et la façon dont le cinéma peut infiltrer la littérature. Donc voilà, très très rapidement, il y aurait bien d'autres choses à dire sur votre livre. Je passe maintenant à notre troisième intervenant, Blic Bassi. Donc Blic Bassi, votre livre s'intitule « Le Moabi Cinéma ». Donc on est au Cameroun, c'est la chronique de la vie d'un jeune homme et de sa bande de copains, la bande des cinq. Ce jeune homme s'appelle Mingri, c'est une vie qui est entrecoupée de musique, de football, de rêves d'Europe, et c'est une vie dans laquelle va intervenir un événement incroyable, un événement littéralement merveilleux, un arbre dont émanent des images, un arbre écran, qui donne donc son titre au livre, « Le Moabi Cinéma ». Donc ce livre, c'est un livre qui à la fois présente une écriture en perpétuelle mutation, une écriture pétrie de métaphores. C'est un livre qui est aussi une façon de réfléchir à la manière dont les images peuvent être à la fois des instruments et des outils d'oppression et de contrôle, ou alors peut-être des instruments de libération, de magie et de vérité. Donc voilà, grosso modo, en quelques mots. Donc nous allons peut-être pouvoir rentrer maintenant directement dans le vif du sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, les rapports entre littérature et cinéma sont des rapports qui peuvent être notoirement houleux. On se rappelle par exemple André Gide fustigeant la médiocrité de Métropolis, on se rappelle les réserves de Julien Gracq envers le cinéma. Inversement, des auteurs ont été attirés par le cinéma, on pense à Green, on pense à Giono, et plus récemment, un certain nombre de romanciers français, dont vous êtes, se sont penchés sur le cinéma. Bon, il y a évidemment le titre du livre de Tanguy Viel, Cinéma,
il y a donc aussi vos livres. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé en vous lisant Blic Bassi, en vous lisant également Arnaud Sagnard, et également en vous lisant Thierry Froger, c'était la façon dont le cinéma pouvait rejoindre le cinéma qui est aujourd'hui une industrie qui passe au numérique, une industrie ultra contemporaine, la façon dont cette industrie-là pouvait, par des biais divers et variés, rejoindre quelque chose qui était de l'ordre du primitif, de l'ordre de l'archaïque. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Blic Bassi. Lorsque votre narrateur aperçoit pour la première fois cet arbre, il a une réaction qui est une réaction, pourrait-on dire, de terreur et presque de terreur sacrée. Et toute la façon dont vous décrivez cet arbre-écran est une façon de relier le cinéma à la magie. Alors, est-ce que vous voyez des liens particuliers entre cinéma, magie, sorcellerie? Bonjour tout d'abord, merci d'être là et très heureux d'être là aujourd'hui à parler du Mohabi cinéma. Oui, bien sûr, le cinéma c'est... Vous savez, moi j'ai grandi au Cameroun et à l'époque j'avais un cousin qui parcourait les villages avec un petit écran de télévision et avec un magnétoscope pour diffuser des films dans les villages. Et c'était des événements qui étaient incroyables parce que pour beaucoup de personnes dans les villages qui n'avaient jamais vu un écran, qui n'avaient jamais vu des images à travers un écran, pour ces gens-là, c'était de la magie, c'était presque de la sorcellerie. Et c'était à l'époque que les télévisions étaient appelées des boîtes à sorcellerie, parce que les gens dans les villages ne comprenaient pas que ce soit possible que dans un écran qu'on puisse voir de la vie, qu'on puisse voir des gens bouger, partir d'un lieu à un autre, raconter une histoire d'une vie dans une boîte. Donc oui, c'est vrai que le cinéma fait partie de, pour moi, de... cinéma est tout simplement aujourd'hui quelque chose qui a une importance incroyable parce que on voit bien que grâce au cinéma, par exemple, il y a énormément de choses qui sont devenues légitimes dans notre cerveau que nous avons acté tout simplement parce que l'image a été diffusée plusieurs fois. Et finalement, nous avons acté cela même à travers notre société aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les uns votent pour les autres. Par exemple, avec la présidentielle, les gens vont voter pour les uns et les autres tout simplement grâce à l'image, grâce au cinéma. Parce que grâce à aujourd'hui, avec Internet en plus, qui est un cinéma virtuel qui est là, qui est au quotidien, le cinéma nous influence et le cinéma nous conduit à réagir d'une façon à une autre et complètement à une puissance incroyable dans notre quotidien. Et... c'est la raison pour laquelle, dans le Mohabi Cinéma, j'ai tenu à raconter à travers cet arbre-là qui est un témoin. Parce que chez moi, les arbres sont des témoins. Dans mon village encore, il y a des arbres qui ont plus de 500 ans et qui ont vu des vies passer, qui ont vu des générations passer et donc qui sont capables, quelque part, de raconter. Et comme le cinéma est un outil qui permet non seulement de recevoir des histoires, mais ça nous permet aussi de nous évader quand on regarde un film. Chacun ne perçoit pas les choses de la même façon, et donc pour moi le moyen le plus efficace était de pouvoir le faire à travers le cinéma, à travers cette espèce de sorcellerie, hein, parce que pour beaucoup encore on ne comprend pas comment est-ce que c'est possible que dans une boîte qu'il y ait des gens qui puissent avoir complètement toute une vie entière. Et donc oui, je pense que le cinéma, quelque part, relie aussi ce côté magique à travers les images, même les publicités. Quand on nous donne envie d'aller acheter des choses qui peuvent nous paraître belles, c'est à travers des images, c'est à travers des films, c'est à travers des publicités qui sont faits et qui jouent un rôle incroyable à travers des films, quoi. Et donc oui, je pense que le cinéma est vraiment un moyen, non seulement de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de un moyen de pouvoir décrire, de pouvoir amener des gens à se comporter d'une certaine façon, mais aussi un moyen de pouvoir décrire et de pouvoir raconter quelque chose, quoi. Merci.
Alors, cette puissance que vous évoquiez, cette puissance, ce mystère ensorcelant qui tient au fait de condenser dans une boîte, sur un écran, la vie des gens, elle tient aussi, et c'est peut-être un des principaux opérateurs de la magie du cinéma, enfin, l'expression est très galvaudée, mais là, en l'occurrence, on l'emploie littéralement, la magie du cinéma, ce sont les acteurs eux-mêmes. Et je me tourne vers vous, Arnaud Sagnard, et je pense en particulier à ce passage de votre livre où vous évoquez quelques-unes des appréciations d'autres personnes d'Hollywood sur Charles Bronson. Et vous citez, on décrit Bronson, alors qu'il s'agisse de personnes d'Hollywood ou de critiques, on décrit Bronson comme un totem, comme une idole, comme une vieille figure d'Indien. Est-ce que c'est une des choses qui vous a d'abord intéressé dans Bronson, peut-être le fait qu'au-delà de l'extraordinaire acteur qu'il était, il y avait quelque chose dans son corps, dans son visage, qui pouvait peut-être renvoyer à des figures totémiques, à des figures archaïques? À vrai dire, c'est, pour mon cas précis, c'est la séquence d'un film. Un film qui n'est pas très connu, dont le titre français est Le Flingueur et le titre anglais est The Mechanic. C'est un film des années 70 où il joue le rôle, je résume grossièrement, d'un tueur à gages. Et il se passe quelque chose de très particulier, si vous êtes amené à le voir. Même sur YouTube, l'extrait en question, me semble-t-il, existe encore. Pendant les 15 premières minutes du film, on voit donc ce tueur à gages préparer un attentat. Et pendant les 15 minutes en question, il ne parle pas, il n'y a pas de musique et... L'effet que ça a eu, en tout cas sur moi, c'est que j'étais complètement subjugué par la présence de cet acteur qui est au sommet de l'art du cinéma, qui consiste à jouer quelque chose sans pour autant interpréter aucun texte. Donc déjà, il y avait une espèce de contradiction en moi qui m'avait intéressé. Et surtout, il y a un moment où moi, j'ai... à tort ou à raison, je ne sais pas, mais j'avais l'impression que ce n'était plus du tout ni Charles Bronson que je voyais... ni le tueur à gages qu'il interprétait, mais c'était la mort qu'on voyait au travail. Ce que normalement, on ne voit jamais, puisque quand quelqu'un meurt, généralement, on le constate, mais c'est rare de voir ce travail-là. Donc du coup, moi, dans mon cas personnel, moi, j'ai fait une espèce de transposition. Enfin, en tout cas, j'ai vu autre chose que Charles Bronson, et je pense que les liens entre la littérature et le cinéma, c'est peut-être précisément lorsqu'on regarde un écran, on commence à voir autre chose que ce qui est sur l'écran. Si on est tous amenés à voir plein de films, mais c'est très rare que les films infusent en nous. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais je pense que c'est pour d'autres personnes aussi. Et du coup, j'ai commencé à voir donc autre chose que Charles Bronson à l'écran. J'ai enquêté sur lui, je suis allé aux États-Unis dans les endroits où il a vécu. Donc là, j'ai fait pour le coup un travail plutôt journalistique. Et comme quoi, quand on commence à voir quelque chose qui n'est pas sur l'écran, c'est qu'on est peut-être dans la bonne direction. Parce qu'en enquêtant sur sa vie, je me suis aperçu que la mort, effectivement, dans son parcours, est totalement omniprésente. Donc je ne vais pas raconter le détail, mais enfin, c'est quelqu'un qui a perdu son père devant lui, un certain nombre de frères, parce qu'il travaillait à la mine, il a été à la guerre, il mitraillait les gens. Et grosso modo, toute sa carrière cinématographique, on se souvient de ses rôles où il passe son temps à buter des gens, des dealers dans des très mauvais films. Il y a un parallèle très très fin entre ce qu'on voit à l'écran et sa vie. Donc du coup, on est encore entre la réalité et autre chose que la réalité. Donc du coup, moi, c'est sur ça que j'ai travaillé. Alors justement, ces passages, ces transitions ou ces passerelles, pour faire référence au lieu ici, entre la vie et quelque chose d'autre, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre livre, Thierry Froger, et quelque chose, alors pour le coup, d'éminemment godardien, si j'ose dire, c'est la façon dont la vie et la fiction s'infusent réciproquement, la façon dont la création et le milieu vécu se mêlent. Par exemple, le récit de la vie de Danton, qui essaie d'écrire votre historien, se nourrit des rencontres entre l'historien et Jean-Luc Godard. Vous faites intervenir d'ailleurs à un moment, outre Jean-Luc Godard, un véritable personnage, Antoine Debac, qui a lui-même écrit une biographie sur Godard et qui intervient dans votre livre dans une espèce de jeu de miroir vertigineux. Donc je me demandais si le fait d'avoir choisi le cinéma, pour revenir à ce que disait Arnaud Sagnard, comme matrice de votre livre et comme sujet principal de votre livre, c'était aussi pour la liberté qu'il offrait de télescoper ainsi différents niveaux. Oui, c'est assez bien résumé. Effectivement, le personnage de Godard me permettait de construire mon texte sur le montage et sur le collage. Et donc, ça justifiait d'une certaine manière la forme choisie du roman
et ça me permettait de juxtaposer des choses qui peuvent être de l'ordre du roman épistolaire, du dialogue, des morceaux de poèmes, des choses en prose plus écrites. Et donc ça me permettait effectivement, le cinéma, de proposer un texte et un travail sur la langue qui est composé de fragments qui s'ajustent, qui se répondent les uns avec les autres. Par rapport au début de la discussion, il y a une chose aussi qui m'intéressait concernant le côté archaïque du cinéma ou le côté magique qu'on a évoqué. C'est ce qui est lié à la projection. Et le cinéma, au départ, c'est vraiment avant tout une projection. Et Godard le dit, d'ailleurs, c'est une histoire qui est plus grande que nous parce qu'on la projette. C'est une histoire qu'on projette en grand. Et ce qui m'intéressait également en faisant mes recherches, c'est que aux origines du cinéma, à la fin du XVIIIe siècle, donc au moment de la Révolution française, c'est là qu'il y a tous ces spectacles qu'on appelle les fantasmagories, où il y a des gens comme Robertson qui projettent sur des fumées, qui projettent sur des architectures les figures des décapités de la Révolution française. Et c'est vraiment l'origine du premier cinéma, un siècle avant l'invention par les frères Lumière. Et ce côté effectivement archaïque, cette origine du cinéma, se retrouve à plusieurs reprises dans le livre. La guillotine commence à être de la machine à projeter, donc. Oui, ou plus que ça, je pense que la guillotine, si on regarde bien la guillotine, c'est très proche de l'appareil photographique, de l'obturateur. C'est-à-dire que la guillotine, c'est un volet qui tombe, une lame, de la même manière que l'obturateur tombe. On pourrait presque dire que la guillotine, c'est l'invention du gros plan. Hein. Ne bougez pas, schlack. Voilà. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, dans l'argot des bourreaux, on appelait l'aide du bourreau qui plaçait la tête du condamné dans la lunette. La lunette, qui est encore un terme qui renvoie à l'optique, hein, on l'appelait le photographe. Donc c'est assez étonnant. Et donc, dans le livre, Godard, avec ses jeux de mots, parle toujours de clic-clac Kodak. Un clic-clac qui renvoie à la fois au bruit, au cliquetis de la guillotine et au bruit de l'appareil photo argentique. Merci. Alors, puisqu'on parle de guillotine, donc de répression et donc de pouvoir, vos trois livres sont aussi l'occasion d'examiner et d'explorer un petit peu les rapports, là encore, rapports troubles, rapports ambigus, qui peuvent se tisser entre le pouvoir et le cinéma. Et je pense à vous, Blik Bassi, il y a quelque chose de très frappant. Lorsque votre personnage découvre cet arbre magique pour la première fois, il n'est pas tout seul, il y a deux militaires devant. Et une partie du livre va être consacrée à la façon dont il va réussir à circonvenir ces deux soldats. Un petit peu comme si le cinéma pouvait être à la fois ce que vous décriviez tout à l'heure, un instrument formidable de libération, mais en même temps pouvait être un instrument de pouvoir, et peut-être même plus encore, que tout se jouait moins peut-être dans la puissance économique, la puissance politique ou tout ce qu'on voudra, mais simplement dans la domination des images. Oui, en fait, on se rend bien compte que souvent, lorsqu'il y a, par exemple, une intervention militaire de la France dans un pays ou dans un autre, on parle souvent de guerre des images. Parce que justement, c'est ça qui permet de tenir quelque part obtenir de la population une légitimité d'aller faire une guerre ou pas. Donc pour cela, il y a d'abord un travail qui se fait, qui est basé sur la guerre des images pour pouvoir avoir l'approbation de la population. Et donc là, on se rend encore compte de la puissance des images, donc du cinéma, parce que à partir du moment où on a compris que le cinéma est la matérialisation de nos rêves, tout simplement, puisque quand on rêve, c'est en fait, on se fait des films dans nos rêves, que ce soit des rêves endormis ou réveillés, on fait des films. Et le cinéma permet tout simplement de matérialiser cela. Et à partir du moment où on empêche les gens de rêver, on empêche les gens de vivre tout simplement, parce que ces grâces ne sont faites d'actions et de désirs. À partir de ce moment, ce qui nous anime, c'est le désir, c'est le cinéma et c'est le rêve, et c'est à travers une projection. Et on se projette à travers un métier, à travers ce qu'on a envie de faire, à travers ce qu'on a envie de devenir. Demain, on se voit même. Souvent, lorsqu'on travaille sur un projet, on s'imagine. Moi, je suis musicien aussi, et je me rends compte, il y a 20 ans, je me projetais sur des scènes énormes,
en train de chanter, en train de... Et ça, c'était mon cinéma que je me faisais. Et à partir du moment où on interdit cela, et que dans le Moabi cinéma, par exemple, l'arbre, le Moabi est protégé par l'armée du Cameroun, c'est quelque part interdire à la jeunesse de rêver. Parce que le gouvernement n'avait pas envie que la jeunesse ait accès à cet arbre-là qui, quelque part, projetait non seulement le rêve, mais la réalité. Parce que ça nous, il nous permet aussi, il aurait pu permettre à la jeunesse de se recentrer, de comprendre la réalité et de quelque part rediriger leur rêve, puisque le rêve en général est basé sur la réalité, la perception de la réalité que nous avons chacun de nous. Et donc le cinéma aussi part tout simplement non seulement de notre histoire, mais de notre perception de la vie, notre perception de la réalité. Et donc nos rêves ne partent que de cela. Et c'est la raison pour laquelle dans le Moabi, par exemple, l'arbre est protégé par l'armée camerounaise pour pas que la jeunesse ait accès à cet arbre-là qui aurait pu non seulement permettre de rêver, mais aussi quelque part qui comptait la réalité à travers laquelle les jeunes allaient redéfinir leurs rêves, parce qu'on ne redéfinit que par rapport à une réalité concrète qu'on a. Alors justement, cette question du rêve, des rapports intimes entre le cinéma et le rêve, et plus largement entre le cinéma et tout le substrat de nos fantasmes, de l'inconscient, cette projection dont vous parliez tout à l'heure, Thierry Froger, c'est quelque chose qui est très net dans votre livre Arnaud Sagnard, puisque le narrateur, donc j'imagine en grande partie vous-même... Oui. Il a avoué. Donc le narrateur explique à un moment que se confronter à Charles Bronson, se confronter à l'histoire de Charles Bronson, c'est peut-être aussi revenir à l'origine de ses obsessions. Et le narrateur, et donc vous-même, raconte aussi la façon dont la nuit il s'imagine mort, il s'imagine parmi les cadavres, ce qui évidemment résonne avec ce rôle d'incarnation de la mort de Bronson dont vous parliez tout à l'heure. Donc finalement, est-ce que ce livre, est-ce que ce travail sur Charles Bronson n'est pas aussi une façon d'explorer, comme disait Big Bessy, vos propres rêves et peut-être d'essayer de les définir ou même de les redéfinir ? Oui, après je pense que le cinéma permet ça et l'acte d'écrire aussi. Pour prendre une analogie, j'ai l'impression que quand on écrit, qu'on écrive sur une image ou sur un événement historique, à partir du moment où on essaye de faire acte de littérature, ça s'apparente, j'ai l'impression, à prendre une pioche et de creuser une montagne, une pierre, peu importe. Et du coup, et plus on s'épuise à creuser, donc plus on est en train de creuser un trou dans une matière, mais ça a aussi un effet sur soi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, notamment si on a chopé la bonne pierre, donc moi en l'occurrence la pierre en question ou la montagne en question, c'était Charles Bronson, mais c'était presque un hasard, il y a un moment où on en vient à se percer soi-même. C'est-à-dire que le travail d'écriture est tel... Qu'on se retrouve face à la raison pour laquelle on consacre tout son temps à ça, pour laquelle c'est quelque chose qui est très consommateur de temps, d'attention, et il y a forcément un moment où on se regarde en face, mais pourquoi je fais chier tout le monde avec ce bouquin-là depuis des années dans ma famille, par exemple, c'est une question qui vient à l'esprit quand on passe du temps, quand on écrit. Et donc, on en arrive un peu au nœud de ce pourquoi on écrit. Et là, généralement, dans ce nœud-là, alors je pense après ça dépend sans doute du travail de chacun, mais moi, en l'occurrence, dans ce nœud-là, je suis retombé sur des trucs enfouis perso que j'avais pas vu, enfin qui étaient vraiment enfouis, donc je m'en étais pas rendu compte au début. Et alors, le coup de chance ou pas coup de chance, moi, c'est des événements personnels liés à la mort qui se croisaient avec ceux de Bronson. Donc, c'est peut-être pas un hasard si 4 ans avant, quand j'avais vu ce film-là, comme on regarde un film le soir. Sur le calme, en disant, tiens, il y a un vieux film avec Charles Bronson, ben, je vais le regarder. Eh bien, mine de rien, ça s'est vraiment diffusé en moi et ça, voilà, ça a éclairé, pour le coup, des zones d'ombre. Et que du coup, je me sentais obligé de raconter dans le bouquin, parce que faire une biographie de Charles Bronson, à vrai dire, je pense que moi, ça ne m'intéresse pas, et la plupart des gens non plus, à moins d'être super fan. Moi, je n'étais même pas fan de Charles Bronson, simplement, c'est la porte que j'ai prise pour découvrir un tas de choses sur lui, parce que lui-même a une vie extrêmement romanesque.
puisque grosso modo il était extrêmement pauvre, famille de 15 enfants et travaillant à la mine depuis l'âge de 14 ans, et il a fini dans la plus grande villa de Los Angeles où il y avait je sais plus 16 salles de bain. Et au moment où il tue sur écran des dealers dans des mauvais films, son fils fait une overdose pendant que lui tourne ce film-là. Donc il y avait quelque chose à la fois de très romanesque, et en creusant cette matière romanesque, on retombe, je pense, ce qui est souvent le cas quand on écrit, on retombe sur des choses très très personnelles, très enfouies, et du coup, le travail consiste à peut-être essayer de faire coïncider ça. Quand ça coïncide. Pour le coup, coup de bol, ça coïncidait. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, que j'ai oublié entre-temps. Très bien. Au contraire. Alors, justement, cette façon dont la littérature s'emparant du cinéma ou tentant de décrire le cinéma exhume des choses qui sont profondément personnelles. Je me demandais aussi, en lisant votre livre, Thierry Froger, si ce n'était pas le cas. Et pour des raisons qui tiennent à beaucoup de choses, mais disons rapidement qu'avoir choisi Godard et avoir donné aussi à son ami historien une fille qui a 18 ans, je crois, enfin une jeune fille à peu près. Godard, donc, on le sait, on le retrouve dans votre livre, était quelqu'un, est toujours quelqu'un, pardon, pour lui, de notoirement mélancolique. C'est également quelqu'un vous l'écrivez à un moment, économie du cinéma et économie du désir. Donc il y avait quelque chose de très fort au croisement à la fois de la mélancolie et du désir dans votre livre. Et je me demandais si c'était aussi une façon pour vous d'affronter un peu ces choses-là à titre personnel. Ouh, la question est redoutable. Par où commencer? Il n'y a effectivement rien de, je pense, d'autobiographique ni de psychanalyse caché dans ce roman. Il y a des motifs qui m'intéressent. Il y a effectivement, en 1989, j'avais 16 ans quand on a célébré le bicentenaire de la Révolution française. Et ça me posait pas mal de questions aussi sur cet embaumement, d'une certaine manière, de l'événement. Pourquoi on fêtait la Révolution plutôt que l'affaire. Et je pense que dans tout le travail de Godard, on retrouve ce double mouvement, ce désir de lutter et aussi cet épuisement de la lutte. Ce désir amoureux et cet épuisement du désir amoureux aussi. Et donc, effectivement, le roman entrelace aussi ses motifs amoureux et ses motifs de la lutte révolutionnaire et de son devenir. Puisque le livre est basé aussi sur une uchronie où j'imagine que Danton n'a pas été guillotiné par Robespierre en 1794, mais a continué à vivre. Et Robespierre lui-même va continuer à vivre et va devenir nonagénaire. Et donc, c'est que seraient devenus ces révolutionnaires s'ils ne s'étaient pas guillotinés les uns les autres à 30 ans, voire 25 ans pour Saint-Just. Et donc, c'était vraiment l'un des grands axes du livre aussi, de faire vieillir ces révolutionnaires et qui repensent à l'événement qui les a faits, qui était finalement plus grand qu'eux. D'une certaine manière. Et que Godard imagine, enfin que vous imaginez à travers le prisme de l'imagination de Godard, vous imaginez Danton et Robespierre presque au dossier de l'écran, avec table basse et verre d'eau. Voilà, c'est ça. J'imagine en 1830, quand les régicides ont pu, déjà vieux, là, ont pu réintégrer Paris, j'imagine les deux, Danton et Robespierre, deux vieux monsieur, qui essayent de discuter avec deux petits verres d'eau et qui n'arrivent pas à se parler. En fait. Et Godard, quand il écrit ce scénario, fait une analogie entre sa situation avec lui et Truffaut. Truffaut qui lui est mort. Donc il y a comme ça constamment des glissements du cinéma à la Révolution. Vous évoquez Truffaut, donc à la fois l'alter ego et l'envers symétrique de Godard. Et ça m'amène donc à vous de nouveau, Blic Bassi, puisque Godard et Truffaut sont cités dans votre livre, un petit peu comme des modèles peut-être pour ces jeunes gens que vous décrivez. Est-ce que vous-même, des films comme ceux de Truffaut, comme ceux de Godard, ont pu vous permettre de procéder à cette projection dont on ne cesse de parler depuis tout à l'heure ? Pour ces jeunes gens, pas forcément, mais bon, oui, pour moi, quelque part, parce que pour moi, c'est un travail. Je trouve que ce qui relie leur travail
Et c'est des artistes, par exemple, qui m'inspirent aujourd'hui, qui sont des artistes comme David Bowie, comme Prince, ou comme Les Têtes Brûlées du Cameroun, qui pour moi faisaient... étaient dans une démarche qui, dans laquelle j'essaie, depuis quelques années, d'avancer, qui est celle tout simplement de m'émanciper des barrières que nous impose la société et que nous actons. Parce qu'il est difficile de complètement essayer d'assumer sa singularité, essayer de déconstruire et avoir une approche complètement différente en déconstruisant les définitions de beauté, de réalité, de beauté, de laideur, de bonheur, de tristesse et de richesse aussi, parce que ces jeunes-là qui sont au Cameroun et qui ont envie de partir, qui ont envie de fuir, ils ont l'impression qu'ils vivent dans des pays pauvres. Mais eux, ils sont victimes aussi, comme nous, comme pas mal d'autres, de la définition de la pauvreté et de la richesse. Parce qu'on s'estimait pauvre et c'est complètement relatif. Est-ce qu'être un consommateur fait de nous quelqu'un de riche ? Donc l'idée était aussi de dire que nous sommes victimes de cette société qui a, dès notre naissance, défini des référentiels de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment il faut être, comment il faut s'habiller, qui en est finalement à la fin. Nous ne savons plus très bien qui nous sommes parce que dès le départ, les choses sont tronquées, les choses sont basées sur une volonté d'une certaine minorité qui a décidé de comment est-ce que être nous-mêmes, finalement, c'est quoi ? Être soi-même, est-ce que le bonheur, c'est tout simplement de venir en France, de vivre à Paris, comme beaucoup de jeunes rêvent là-bas, ou bien le bonheur, c'est tout simplement de complètement s'émanciper du matériel. Et donc, voilà, c'est... Godard, notamment, et puis des gens comme David Bowie et autres m'ont amené aussi à, quelque part, m'émanciper, à rentrer dans un travail d'émancipation de cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans le livre, j'essaye vraiment de démontrer que voilà, nous sommes victimes aussi d'une société qui est complètement... qui, quelque part, au contraire, travaille pour essayer de guillotiner tout cela qui accepte d'être qu'ils sont acceptés de jouer leur propre rôle, sachant que, comme dans un film, personne d'autre ne peut mieux jouer notre rôle que nous-mêmes. Alors, vous évoquez cette question de l'émancipation, de la libération. Donc, il y a bien sûr la révolution chez Thierry Froger, mais il y a aussi autre chose, peut-être une question plus large, c'est peut-être la façon dont, face au pouvoir des images, Arnaud Sagnard, par exemple, on voit apparaître dans votre livre Eisenstein à un moment, on fait référence aussi à Griffith, c'est-à-dire à des cinéastes qui ont travaillé pour la propagande, il n'y a pas d'autre mot. Et je me demandais si, de votre point de vue, alors à vous Arnaud Sagnard, je commence par vous, mais vous deux également, Thierry Froger et Big Bassi, la littérature, le fait de réécrire les images, le fait par exemple de décrire, comme vous le faites, le film dont vous parliez tout à l'heure, Le Flingueur, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se soustraire à l'emprise des images, de s'en libérer ? Si. Pour répondre même plus directement à votre question, on est tous autant qu'on est autour de la table ou dans le public, on est par définition à notre époque envahis d'images, ne serait-ce qu'à cause des smartphones, où maintenant on ne peut plus aller dans un bar sans qu'il y ait un écran de télé ou même peut-être en faisant nos courses. Je pense que cette invasion d'images dilue complètement la qualité de ce qu'est une image, quoi. Et que plus on en voit, et par définition, finalement, moins on remarque quoi que ce soit, et moins ces images ont de l'importance et ont un impact sur nous. Du coup, moi, je me suis questionné sur le fait d'avoir été attiré par ces 15 minutes de ce film de série B. En fait, je pense que c'est une forme de réaction au trop-plein d'images qui nous entourent. C'est qu'il y a un moment, moi, je me suis fixé sur ce point-là, et j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, à creuser ces images-là pour essayer de les comprendre et de comprendre la personne qui se trouvait au centre de ces images-là. Mais c'est précisément, c'est une manière de résistance à la totale inanité il suffit de regarder BFM. Pourtant, je dis ça, je suis journaliste, hein, donc mon métier consiste aussi à ramener de l'info. Mais
BFM, c'est devenu effectivement un robinet. Et qui alors pour même parler un peu plus d'actualité, je pense que c'est cette façon de filmer pour rien dire ou de filmer pour montrer des choses banales et d'occuper l'écran, elle s'est diffusée partout. Il suffit de... Si vous avez eu l'occasion hier de regarder les 32 minutes au cours desquelles Jean-Luc Mélenchon essaie d'expliquer tant bien que mal pourquoi il donne pas de consignes, tout en faisant comprendre pour qui va voter, il remplit l'image pendant 32 minutes. C'était diffusé sur YouTube. Alors que peut-être qu'un simple mot aurait suffi, quoi. Un nom, deux noms, ou ni oui ni non. Bref. Mais donc l'image est tellement diffusée dans la société que on est tous nous-mêmes, les jeunes passent leur temps à se filmer, à se photographier sur Instagram. L'apparition du selfie, c'est ça. C'est que l'image, elle fait maintenant entièrement partie de nos... On est tous des fabricants d'images et des consommateurs d'images. Donc il faut quand même essayer de prendre le temps de réfléchir à ce que c'est fondamentalement. Et peut-être qu'une image, ce n'est pas du tout ce qu'on croit que c'est, quoi. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus complexe que des trucs qui bougent sur un écran. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Je me souviens que Jean-Luc Godard disait que pour regarder le journal télévisé, il faut couper le son. Et donc, faites l'expérience un jour, vous regardez le journal BFM TV qu'on vient d'évoquer, ou le journal de 20h, en coupant le son, et de voir quel est le sens des images et comment le montage, simplement le montage, est signifiant et peut être un instrument de pouvoir, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure. Je pense qu'aussi que la littérature, justement, peut être un biais pour aborder la fragilité de l'image également. Et là, quand dans mon projet, je parle des possibilités de scénario d'un film qui n'a jamais existé, qui n'existera pas, le film que Godard aurait fait sur la Révolution française, c'est aussi retrouver l'histoire de tous ces films fantômes qui jalonnent l'histoire du cinéma. Je pense au Don Quichotte d'Orson Welles, au Napoléon de Kubrick, et donc d'essayer de retrouver ces films possibles ou ces potentialités de films. Et je repense encore à une autre phrase de Godard qui disait la culture, c'est la règle, l'art, c'est l'exception. Et ça peut être aussi de l'avoir en tête, une manière d'aborder ce débat sur l'image. On en revient encore au film Rêvé avec Kubrick. Alors justement, puisqu'on parlait des rapports entre l'écriture et l'image, je repense à une formule, alors qui n'est pas de Godard, mais qui est de vous. Dans votre livre, Thierry Froger, vous évoquez à un moment les rapprochements féconds, les rapprochements féconds que peut faire Godard entre plusieurs images, ou entre un texte et l'image, ou entre plusieurs bribes de texte. Et l'image, ce n'est pas seulement, comme l'a très bien décrit Arnaud Sagnard, ou comme l'a très bien dit Big Bassi tout à l'heure, quelque chose qui nous permet, sans être vu de manière subliminale, d'infléchir nos sentiments, nos volontés, etc. Mais c'est aussi un rapprochement de deux réalités éloignées. Bref, c'est aussi la définition de l'image poétique. Et donc je me demandais si dans votre livre, cette façon de fragmenter même la narration avec des bouts de scénario ici, le récit de Danton sur son île de Chalonne là, c'était pas aussi une façon de retrouver peut-être un pouvoir, j'allais dire presque des étincelles de silex, de deux images s'entrechoquant comme ça. Oui, tout à fait. Il y a une filiation entre la définition que Pierre Réverdi faisait de l'image poétique, le rapprochement de réalité éloignée, et le projet que j'ai mené en m'inspirant aussi de ce que dit Godard entre ce qui se passe entre deux images. C'est pas une image plus une autre, mais c'est ce qui se passe entre les deux qui va créer du sens. Et donc tout le travail a été effectivement d'agencer, de coller, d'articuler, de combiner ensemble des réalités différentes, ou de combiner ensemble ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de la fiction, ce qui est de l'ordre de l'histoire et ce qui est de l'ordre du roman. Donc tout le travail a été effectivement d'articuler ensemble ces différents champs.
Alors justement, cette question de l'articulation, cette question de la, j'ai presque dire, de la gestion, de la gestion à la fois du cinéma et de la littérature dans le même texte, est-ce que c'est pas quelque chose, par exemple Big Bassi, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été difficile à faire pour vous en tant qu'écrivain? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où finalement le prestige de l'image, la puissance de l'évocation du cinéma, par exemple, vous parlez de Godard et Truffaut un moment, mais vous évoquez Robin des Bois, Zorro aussi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, eh ben tiens, là, ça parle tellement que j'ai peut-être même pas besoin de faire trop de travail d'écriture autour. Non, en fait, moi, l'image m'a plutôt permis d'écrire, en fait, de rédiger, d'avancer dans mes scénarios et dans mon scénario, parce que je pense que l'image est présente. Chaque instant, chaque moment que nous vivons est une scène. Est une scène de vie. Il suffit de filmer, par exemple, notre présence ici, de couper le son, par exemple. La même scène peut paraître incroyable, parce que ça dépend de chacun, comment est-ce qu'on l'aperçoit, mais regardez tout simplement cette scène, où on nous verrait tout simplement bouger nos mains, comment est-ce qu'on se porte et tout. Cette même scène peut être décrite de 10 000 façons différentes, et c'est ça la force de l'image aussi. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a aussi nourri mon imagination. Et je me rappelle que lorsque j'écrivais ce bouquin, ce que parfois je faisais, j'allais m'asseoir dans un parc et je regardais des gens passer. Et pour moi, tout simplement, ça, c'était incroyable, parce que comment les gens portent leur corps, comment ils bougent. Et moi, j'essayais de rentrer dans leur tête et essayer de comprendre où ils vont, quel est le projet qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là, vers quoi est-ce qu'ils sont en train d'aller. Et c'est incroyable, parce que ça, juste de regarder par rapport à comment est-ce qu'on se porte, comment on porte notre corps, comment est-ce qu'on avance, comment on respire et tout, est tellement inspirant. Et ça, pour moi, c'est juste à partir de ça, je peux écrire quelque chose d'incroyable. Et donc, en fait, l'image, pour moi, était, au contraire, m'aidait énormément à pouvoir m'évader, à pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'imagination, dans l'imaginaire. Et je trouve que c'est incroyable, parce que aujourd'hui, l'image est un peu utilisée, comme le disait Arnaud, pour le libéralisme et le capitalisme, parce que c'est les algorithmes, par exemple, désormais, qui nous permettent, avec Internet, avec nos smartphones, de pouvoir, grâce aux algorithmes, aujourd'hui, on peut savoir juste par rapport à combien de temps tu as mis devant une image, ce qui te parle, ce que tu veux, ce que tu voudrais. Et on te fait aussi des suggestions par rapport à ce que tu as regardé pendant 10 ou 20 secondes. Donc on voit bien que la place de l'image aujourd'hui, malheureusement, peut être utilisée aussi pour complètement nous aider à enrichir notre imaginaire, mais aussi permettre à nourrir l'économie, tout simplement, parce que l'image a une force incroyable, et le cinéma et l'imagination, en fait, l'imaginaire, pour moi, pour ma part, m'a permis vraiment dans ce livre de pouvoir nourrir mon écriture. Parce que je pense vraiment que chaque scène, juste en vous regardant, chacun de vous, comment vous posez, comment vous êtes, je pense que c'est incroyable, parce que juste à partir d'une des personnes présentes ici, on peut faire un film, quoi. Juste à voir comment elle est posée sur son siège. Donc finalement, vous écrivez un petit peu comme si vous étiez dans une position de spectateur face à un film, en interprétant Absolument, c'est souvent parfois ce que je conseille je fais pas mal de rencontres avec des jeunes de banlieue qui, souvent à Paris ou à Bordeaux où je vis maintenant, qui reprochent parfois à la société d'être des gens considérés comme des personnes de seconde zone, et je leur dis que parfois c'est incroyable la position qu'on peut avoir étant en périphérie. Parce que lorsqu'on est en périphérie, on a le recul pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de ce moment, on peut décrire parce qu'on ne peut pas être soi et avoir le recul sur soi-même. Donc parfois, la périphérie nous permet tout simplement d'avoir un regard que les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas. Et donc souvent, de décrire et de comprendre à ce moment
de corriger ce qui ne va pas dans cette société. Et parfois, je leur dis, vivre en périphérie est peut-être quelque chose de positif. Ça dépend de ce que nous avons acté dans notre cerveau. Si nous avons acté le fait que la société décrit que la périphérie est une mauvaise chose et que nous disons, nous acceptons, ok, c'est une mauvaise chose, c'est acté, et nous commençons à produire des hormones qui nous amènent dans ce sens-là, ça change tout. Mais si nous décidons qu'au contraire, la périphérie me permet de voir comment cette société qui va vers la dérive, qu'est-ce que je peux corriger pour améliorer mon quotidien, au contraire, vivre en périphérie, en spectateur, est quelque chose de génial parce que ça permet de comprendre et de voir avec une analyse à plusieurs perspectives, permet au contraire de corriger des erreurs et d'améliorer les choses. Alors, vous parlez justement de périphérie, et ça me ramène un peu à votre livre, Thierry Froger, où il est aussi question de zones, alors qui sont peut-être pas nécessairement périphériques, mais qui sont des zones insulaires, des zones utopiques, l'île de Chalonne, par exemple, où Danton trouve refuge dans un monde, enfin, dans une histoire parallèle à la nôtre. Godard étant suisse, comme chacun sait, donc pas français, mais devant tourner sur la Révolution française. Votre historien étant aussi sur une île, lui. Donc je me demandais, voilà, est-ce qu'on toucherait pas là peut-être une des contradictions du cinéma qu'il faudrait bien évoquer à travers la figure de Godard, c'est-à-dire à la fois la possibilité de donner ce regard périphérique dont parlait Blik Bassi, cette possibilité de construire des utopies comme vos îles, et d'un autre côté, il n'en reste pas moins que c'est une prodigieuse machine économique, industrielle, politique, tout ce qu'on voudra. Quoi. Donc il y a une forme de contradiction là, et je me demandais un petit peu si vous aviez l'impression qu'elle se résolvait ou si elle restait toujours... Godard, au début des années 90, il a fondé une société de production qui s'appelait Periferia. Donc c'est pas inintéressant, et dans beaucoup de ses réflexions, il réfléchit justement au rapport entre la marge et le centre, et la marge centrale. Et donc ça, c'est au cœur de ses préoccupations. Et effectivement, le motif des îles qui irrigue tout le livre renvoyait évidemment à ces échappées d'utopie. Mais ces îles sont malgré tout entourées par des fleuves qui charrient d'autres îles après. Donc il y a ce flux-là que j'ai essayé de retrouver dans le cours du roman. Hier soir, lors de l'inauguration du festival, Serge Chalandon, en parlant du roman, a cité une phrase où Godard disait que les marges, c'est ce qui fait tenir les pages d'un livre ensemble. Et je pense que ça permet assez bien de penser cette dialectique entre le centre et la marge. Le centre et la marge, justement, c'est aussi quelque chose qui se pose dans le cas de Charles Bronson, dont vous disiez tout à l'heure, Arnaud Sagnard, qu'il était à la fois une superstar et en même temps quelqu'un qui venait du fin fond de la Pennsylvanie, qui aurait dû être voué normalement à finir comme son père, c'est-à-dire tuberculeux ou atteint au poumon. Et j'ai eu le sentiment en vous lisant qu'il y avait en permanence, à travers ce personnage, cette oscillation et cet inconfort même entre l'appartenance à Hollywood, l'appartenance à la puissance, l'appartenance au centre, si on veut, et d'un autre côté, une marginalité permanente, et qui se marquerait peut-être chez Bronson par son mutisme. Alors, donc c'est effectivement, comme dans ses films, enfin dans ses films plutôt, comme dans sa vie, c'était quelqu'un qui ne parlait pas. Il y a certains films où, enfin moi je me suis amusé à compter les phrases par film, effectivement, il y a quand même des films à 5 phrases, c'est quand même assez balèze comme défi. Il y a plein de sources, enfin moi j'ai un peu réfléchi à la question, il y a beaucoup de sources possibles de son silence, notamment des drames personnels. Une des sources qui rejoint celle que vous évoquez, c'est effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Quand même, c'est le seul de sa famille de 15 frères et sœurs à être allé au lycée, mais il s'est arrêté juste après. C'est quelqu'un qui a voulu se lancer dans le théâtre, non pas par amour de la littérature, mais d'abord pour draguer des nanas, les nanas de l'école de théâtre, dont celle qui allait devenir sa femme, et aussi pour l'argent, parce qu'il avait compris que c'est des gens... Lui, il allait bosser à la mine de 14 à 19 ans de mémoire, et il avait compris qu'il y a des gens qui étaient payés beaucoup plus cher pour dire des textes sur scène. Donc ça, effectivement, ça a fait tilt.
Et donc, il l'a fait quasiment pour des mauvaises raisons. Et là, quand il a commencé à jouer au théâtre, vu qu'il n'avait pas fait d'études, qu'il n'avait pas de connaissance du texte, lui-même était d'ascendance, certes, il est américain, mais d'origine russe et lituanienne, donc il avait un accent, un très mauvais accent, donc il se faisait jeter des cours de théâtre. Une de ses premières grandes auditions, c'est presque un hasard, mais c'était devant Tennessee Williams. Ça n'a pas marché, c'est Marlon Brando qui a eu le rôle. Donc, il y avait peut-être un ressentiment, ou du moins une grande peur vis-à-vis de ce qui était perçu comme une élite, à savoir les textes, la littérature. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un rapport aux mots très étrange que moi, j'ai essayé de creuser. Simplement parce qu'effectivement, ce mutisme se retrouvait jusque dans sa haine des bouquins. Et par exemple, là, il y a un journaliste anglais qui a écrit dans les fins des années 70, début des années 80, une biographie non autorisée de lui. Et quand il est sorti aux États-Unis, ce qu'a fait Charles Bronson, c'est qu'il a fait acheter tous les exemplaires. Donc, du coup, on voit déjà qu'il y a un rapport aux mots et à la littérature qui est très compliqué. Donc, il y avait une peur de ça, vu son background. Après, il y avait aussi chez lui l'espèce de peur des nouveaux riches vis-à-vis des anciens. Donc lui a débarqué à Hollywood en étant devenu une star avec énormément d'argent, plein de bagnoles, des motos, etc. Mais il savait qu'il n'en était pas vraiment non plus, quoi. Parce que ses films, certes, au début de sa carrière, il a joué avec des très grands cinéastes, René Clément, Sergio Leone, voilà. Mais l'argent est arrivé au moment où il s'est mis à faire des très mauvais films. Et je pense qu'il y avait chez lui une espèce d'ambiguïté, je suis une star, je suis millionnaire en dollars, mais au moment où ça m'arrive, les critiques américaines étaient extrêmement dures, le traité d'homme de Cro-Magnon, de fasciste, parce qu'effectivement tous ces derniers films de vengeance, étaient, à part quelques-uns, étaient plutôt très mauvais, et donc il y avait ce rapport très ambigu, et lui-même s'était inventé un peu, à la fin il était un peu mythomane dans sa vie, et la seule... Je parle d'une interview qu'il a donnée à un critique américain, qui est la seule où il a l'air d'avoir parlé franchement de son rapport au travail, au cinéma. Et il a dit, moi, je suis un savon. Je suis un savon dans le sens où je suis un produit. On me dit, joue un tueur, je joue un tueur. On prend le savon, on le met sur les étalages des magasins. Donc, on met mes films dans tous les cinémas et surtout dans les cassettes vidéo, parce que c'était à l'époque du développement des vidéoclubs. Et du coup, il avait un rapport purement commercial au cinéma et à l'art. Ce qui renforce le fait que tout ce qui était littérature, tout ce qui était artistique, le gênait, il était très méfiant vis-à-vis de ça. Merci. Alors, il y aura encore énormément de choses à dire, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être muet à propos des rapports entre littérature et cinéma. Alors malheureusement, nous allons devoir nous interrompre là. Donc merci Arnaud Sagnard, merci Thierry Froget, merci Blic Bassi et merci à vous.